Salut à tous! Samsung vient de sortir son dernier smartphone, le Samsung Note 10 Lite que je te présente aujourd'hui. Un smartphone qui vient directement s'intercaler entre le milieu de gamme avec la série A et le haut de gamme. Un smartphone qui présente à la fois une fiche technique solide, le fameux stylo S Pen caractérisant bien la famille des Note et surtout un prix plus abordable que les versions de gamme. Allez, suis-moi, on va faire un petit unboxing derrière de ce smartphone. Premier point au niveau de la boîte, une chose que j'ai remarqué assez rapidement, c'est que tu as une apparence quand même plus soignée, plus casse que les smartphones de la gamme A. On a un visu assez épuré de la boîte avec le fameux stylet S Pen ici en bleu roi. Tu as le branding Note 10 Lite en dessous inscrit en petit caractère. Sur le côté, tu as inscrit Samsung Galaxy Note 10 Lite. C'est une boîte qui est totalement sobre et entièrement noire qui lui donne ce petit côté premium. En la retournant, t'as aucune indication particulière sur la boîte. Bref, une boîte assez épurée dans l'ensemble. Donc voilà, une fois la boîte ouverte, tu tombes directement sur le premier compartiment. Un petit compliqué à retirer. Comme d'habitude, tu as l'extracteur carte SIM avec à l'intérieur tout ce qui est certificat de garantie, guide de démarrage. Bref, on passe. Ensuite, tu auras le fameux Galaxy Note 10 Lite. On y reviendra dessus un peu plus tard. Et pour finir, hop, au fond de la boîte, tu as le bloc chargeur 25 watts, donc assez puissant pour une recharge rapide. Juste à côté, tu as une paire d'écouteurs intra-auriculaires, ce qui est plutôt pas mal, avec prise mini jack. Donc bon point pour les personnes n'ayant pas forcément l'envie d'investir dans un casque Bluetooth. Ensuite, tu as le fil de la prise USB-C. Et pour finir, hop, tu as des recharges pour ton fameux stylo S Pen. Donc voilà, une boîte assez complète. J'aurais juste aimé peut-être avoir en plus une coque fournie. Je te rappelle quand même qu'on est sur un smartphone à 609 €. Donc, ça aurait été sympa de la part de Samsung. Au niveau du smartphone, au premier coup d'œil, on reconnaît directement la signature 2020 des modèles Samsung. Hop, petit poinçon à l'avant pour le capteur selfie. Et à l'arrière, tu as un module carré abritant les trois capteurs photo. Au niveau des matériaux utilisés, devant, on aura une couche de Gorilla Glass. Et à l'arrière, on sera sur une coque en plastique. Économie oblige par rapport à la version haut de gamme. Au niveau de la connectique, tu auras une prise mini jack, la prise USB-C, un haut-parleur et le fameux stylo S Pen, qui je trouve au passage est relativement bien intégré au visuel du smartphone. Sur les côtés, tu as les habituels boutons de démarrage et boutons de volume. Et de l'autre côté, l'emplacement nano SIM et extension via micro SD. Pour rappel, tu as un écran de 6,7 pouces au format 29e et avec une technologie Super AMOLED, donc écran quasiment parfait. Par ailleurs, on est sur une définition Full HD+. Et l'écran occupe tout de même 88% de la face avant. Donc assez appréciable au niveau visuel. Allez, du coup, on va passer aux fameuses caractéristiques de ce S Pen et ce qui fait vraiment la force de ce Note 10 Lite. Tu vas pouvoir prendre des notes, écrire, embellir tes photos d'annotations. Bref, plein de petites fonctions au quotidien assez sympa. Par ailleurs, tu as un petit bouton sur le stylet qui permettra de contrôler à distance certaines fonctions du smartphone. Prendre une photo avec une simple pression, tu pourras aussi changer de caméra avec une double pression. Voilà, hop. Voilà, du coup, dans ta galerie, tu pourras aussi faire défiler des photos avec également une simple pression.
et encore par ailleurs contrôler ton lecteur de musique à distance. Et franchement, ça au quotidien, c'est quelque chose de vraiment pratique. Une chose que je t'ai pas mentionné au niveau de la config, on est sur un processeur Exynos 9810 accompagné de 6Go de RAM et 128 de stockage. Bon, pour info, c'est un processeur qu'on retrouve sur la génération précédente sur les versions de smartphone S9. Bon, tu vas me dire, on n'est pas sur la nouvelle génération, mais honnêtement, au quotidien, cette config suffira amplement et sera assez puissante pour que tu aies un smartphone fluide, réactif et qui te permettra au passage de faire tourner tous les jeux du Play Store si tu es un fier du jeu vidéo et même en mode graphisme élevé. Après, je rentrerai davantage dans les détails lors de mon analyse détaillée durant mon test. Donc je t'invite réellement à rester connecté sur la chaîne. Sinon, au niveau de la partie photo, tu as un triple capteur au dos avec un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectif x2. Il ne manquait plus que le capteur macro pour avoir un smartphone totalement polyvalent photo. Mais après, tant que le rendu des clichés est bon, c'est ce qu'on attend d'un smartphone. Tiens, au passage, je te fais 2-3 clichés histoire d'avoir un avant-goût de son mode photo. Alors, premier avis de son Odyssey Lite, t'en penses quoi? Fan? Pas fan? Capable de concurrencer des smartphones sur une même gamme de prix? Je t'invite à me dire ce que t'en penses en bas dans les commentaires. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de rentrer dans les détails concernant ce smartphone, de vous en dire un peu plus sur le stylet, sur la partie processeur puissance, sur le mode photo, bref, tout vous dire. Bon, je sais que je te le répéterai jamais assez, mais si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas d'envoyer un petit like. Que c'est important pour le référencement, pour le développement de la chaîne. Tu peux aussi partager la vidéo. Et pour ceux et celles bien sûr qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire rapidement, c'est juste en bas, et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos et bien sûr être au courant de l'actualité, tests, smartphones, news. Sur ce, je te dis bien sûr à la prochaine. Ciao ciao.